Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Seigneur, nous sommes entrés dans tes parvis, Père du Tout-Puissant, avec la louange et l'adoration. Père, l'heure est venue maintenant pour écouter ta parole, que je sois effacé, que seul ton esprit qui nous a dénoncé ici continue de prendre le dessus. Que la chair soit crucifiée. Ouvre notre entendement, cet esprit de Dieu. Ouvre les oreilles de notre cœur, afin que ta parole qui va sortir au travers de ma modeste personne ne retourne point à toi, sans avoir accompli ses effets. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, viens et prends la première place, Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je disais tantôt que ce mois est un mois d'action de grâce et d'adoration. Alléluia. Amen. Et durant tout le long de ce mois, que ce soit les prières de 4 heures du matin, voilà, que ce soit les études bibliques le mercredi avec Pasteur Didier, que ce soit toutes sortes de prières, nous sommes en train en ce moment d'être nourris vraiment puissamment à travers la parole de Dieu. Voilà, et nous sommes en train d'apprendre comment rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu est très riche. Ceux qui ne sont pas encore connectés sur les différents programmes de l'Église, je vous encourage à le faire. Alléluia. Amen. Voilà, c'est vraiment très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ceci dit, prends quelques minutes et partage la vidéo pour que quelqu'un soit béni. Le message de ce matin est très fort. Hein? Alléluia. Amen. Voilà. En le préparant, moi-même, j'ai été béni. Amen. Amen. Alléluia. Série de ce mois, action de grâce et d'adoration. Et notre thème de ce matin, c'est être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Amen. Être reconnaissant à Dieu. Amen. Voilà. Être reconnaissant à Dieu ou à autrui, c'est lui exprimer notre gratitude. Alléluia. Amen. Et cette gratitude-là, elle doit venir du fond du cœur. Voilà, la gratitude venue de reconnaître, d'apprécier et faire aussi un retour, voilà, de gentillesse envers Dieu et envers notre prochain. Alléluia. Amen. Voilà. Qui dit être reconnaissant à Dieu veut aussi dire d'être reconnaissant à son prochain. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai, Dieu bénit, mais il passe toujours par quelqu'un pour bénir. Amen. Amen. Il passe toujours par une situation pour bénir. Voilà. Donc, on ne peut pas dire, oh oui, oui, on est reconnaissant à Dieu, mais on est incapable de dire merci à celui-là même qui peut-être nous a donné un morceau de pain. Alors que peut-être que son don a été inspiré par qui? Par Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, quelle que soit notre frustration, le fait que certaines de nos prières ne sont pas exaucées, ou du moins ne sont pas encore exaucées, voilà, cela ne doit pas nous empêcher d'être reconnaissants. Alléluia. Amen. À Dieu et à quelqu'un qui nous a fait du bien. Amen. Amen. Donc, il est important, il est primordial de prendre notre temps et de dire merci, non seulement à cette personne-là, et à Dieu qui a utilisé cette personne-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans ceci dit, notre texte ce matin est dans le livre de Luc, au chapitre 17, versets 11 à 19. Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Verset 15 dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour
foi. Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit est très riche parmi nous. Amen. Voilà. D'abord, je dois signifier que adorer Dieu, c'est l'expression de notre gratitude. Amen. Voilà, l'expression de notre gratitude, c'est une manière de rendre honneur à Dieu. C'est une manière d'être reconnaissant à Dieu. Et cette reconnaissance-là doit venir du fond du cœur. Alléluia. Cela doit venir du fond du cœur. Donc, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si tu n'es pas reconnaissant envers ton prochain. Alléluia. J'insiste là-dessus. Tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si tu n'es pas reconnaissant envers ton prochain. Alléluia. J'étais témoin, je vais vous donner l'exemple. J'étais témoin d'un couple une fois. Voilà. Ils ne savaient pas que j'étais derrière eux. Donc les deux étaient en train de se discuter par rapport à quelque chose. Je ne connaissais pas la source. Mon fils, à mesure que je m'avançais, j'ai entendu la femme dire, non, il faut qu'on leur dise, il faut que tu dises merci. Elle dit son mari, il faut que tu apprennes à dire merci. On doit dire merci. Et puis il a dit, ah, on a déjà dit merci à Dieu pour eux. Amen. Et la dame a répliqué, elle dit, c'est nous qui avons été les bénéficiaires de ce que Dieu a fait. Alléluia. Mais Dieu est passé par eux. Alléluia. Donc c'est vrai, on a dit merci à Dieu, mais il nous revient la responsabilité d'aller et de leur dire merci aussi. Alléluia. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que tu adores Dieu si tu n'es pas reconnaissant envers ton prochain. Alléluia. Parce que ce prochain-là, s'il n'est pas converti, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui ne sont pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, hein, mais qui sont dans la volonté de Dieu, quand ils arrivent à rendre des actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des païens qui rendent des actions de grâce à Dieu. La preuve là, n'importe qui va se retrouver dans une situation, lorsque le danger est passé, chaque être humain va crier, hey, « Eh Dieu !» Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Bon, la personne va dire, hey, « Eh Dieu, merci !» Donc, c'est quelque chose qui est en nous, en tant qu'être humain. Alléluia. Donc, en temps normal, tu ne peux pas dire que tu adores ton Dieu, hein, si tu ne rends pas grâce à Dieu en disant merci à ton frère qui est à côté de toi, à ta soeur qui est à côté de toi, qui t'a fait du bien. Alléluia. Amen. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Il y a des gens qui ne disent pas merci. Et qui cachent cette ingratitude là derrière. Ah, mais j'ai remercié Dieu. Alléluia. C'est non seulement un grain d'ingratitude, mais c'est aussi une dérivée d'orgueil. Alléluia. Amen. Voilà, donc il faut que la parole de Dieu soit comme un miroir devant nous. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans la série Action de grâce et adoration. Alléluia, dans ce mois-là. Donc nous devons décortiquer tous les recoins, chaque aspect de comment rendre des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, une autre facette de rendre des actions de grâce à Dieu, c'est de dire merci à celui qui nous a fait du bien. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a utilisé. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ici, je vais revenir dans le texte. Ici, il dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Amen. Amen. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus faisait les va-et-vient. Il guérissait partout. Donc, les lépreux que vous voyez là, tant que même ils étaient hors du village, je suis convaincu qu'ils ont entendu les bienfaits de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont entendu. Donc, quelque part, à l'endroit où ils étaient, je suis convaincu qu'ils priaient dans leur cœur. Ce Jésus dont on parle là, si un jour il s'avérait d'être devant nous, alléluia, si il pouvait être devant nous un jour, comme ça, on va lui expliquer aussi notre situation. Amen. Et quelle était la situation de ces lépreux là? Je vous donne des détails par rapport à ça, pour qu'on puisse bien comprendre. Avant, sous l'alliance de la loi, voilà, quand il dit par exemple, voilà, dans l'ancien temps, un lépreux devait être excommunié. Alléluia. Il devait être excommunié, c'est-à-dire qu'il devait être en dehors de la société. Amen. Il devait vivre en dehors de la société. Il devait non seulement vivre en dehors de la société, mais il devait mourir aussi hors de sa communauté, loin du village, parce qu'ils étaient contagieux. Et ils étaient considérés comme impurs. Alléluia. Amen. C'était fort, hein, famille. Ça veut dire qu'ils étaient traités, en fait, comme des animaux. Amen. Amen. Ils étaient traités comme des animaux. Donc, ici, ces lépreux-là, ils
accès au village. Ils n'avaient plus accès à leur famille. Ils n'avaient plus accès à leurs enfants. Si c'était un mari, il n'avait plus accès à sa femme. Si c'était une femme, elle n'avait plus accès, voilà, à son mari ou bien à sa famille. Ils n'avaient plus accès au quartier. Ils n'avaient plus accès à la société. Ils n'avaient même plus accès à leurs droits. Ils n'avaient plus accès à leurs finances. Alléluia. Vraiment, ils étaient misérables. En plus déjà d'être malades, c'était comme si la société ou bien la loi en ce moment-là les abattait même, les poussait vers la mort. Amen. Donc imaginez un peu l'état d'esprit d'un lépreux dans les temps anciens. En plus du fait déjà qu'il était dans la déprime à cause de la maladie. Non seulement le corps souffrait, mais mentalement, il s'était brisé. Alléluia. Dépouillé de tout ce qu'un être humain pouvait avoir comme droit. Amen. Et en plus de cela, si un lépreux s'avérait à s'avancer vers le village, peut-être pour une raison que ce soit, il fallait qu'il annonce, il fallait qu'il crie, qu'il annonce lépreux, lépreux, et en route vers le village. Alléluia. Pour que quelqu'un sorte, pour ne même pas qu'il ait accès totalement au village, pour qu'on lui demande, oui, de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire un être humain qui doit dire lépreux, lépreux, impur, ou bien il va dire impur, en chemin, ou bien impur, et en train d'arriver. Tu es malade. Ton corps a des douleurs atroces. Alléluia. Tes muscles, tes nerfs, tes os sont en train d'être dévorés par la maladie. Mais en plus de cela, pour que ton mental soit fort, pour que tu puisses expérimenter la guérison ou bien continuer de combattre cette maladie-là seule, lorsque tu dois t'avancer vers un être humain qui est ton pareil, il faut que tu t'annonces comme impur. Il faut que tu proclames une identité de quelqu'un qui n'est pas saint. C'était atroce, hein, famille. Alléluia. Il fallait que je vous donne les détails pour que vous compreniez la suite. Amen. Et il dit, lépreux, viens à sa rencontre. Alléluia. Ces lépreux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis convaincu que dans les lépreux, ils ont entendu, comme ils ne sont pas au village, mais les guérisons que Jésus apportait faisaient du bruit, les miracles que Jésus opérait, je suis convaincu, arrivaient à leurs oreilles. Alléluia. Alléluia. Donc au fond d'eux-mêmes, ils se sont dit, si Jésus pouvait passer par ici, vraiment on n'allait pas rater l'occasion. Alléluia. Et Dieu merci. Dis Dieu merci avec un. Dieu merci. Jésus est passé par là. Donc quelque part, leur prière qu'ils faisaient dans le secret a été exaucée. Alléluia. Famille, si vous êtes à la place des lépreux, et puis Jésus est en train de passer, est-ce que vous pensez que tu vas chercher à raisonner pour dire que non, tu es impur? C'est de Jésus qu'on parle. Alléluia. Même si tu n'avais pas de force, je suis convaincu qu'il y en a qui ont rampé. Alléluia. Il y en a qui se sont couverts, mais néanmoins qui se sont avancés vers le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit ici, comme il entrait dans un village, dit les prévins à sa rencontre. Ils sont allés à la rencontre du Seigneur. Ils ne se sont pas cachés derrière, par exemple, les choses, les collines ou bien derrière les buissons. Ils se sont dit, c'est leur opportunité ou jamais. Alléluia. Alléluia. Et il dit, la Bible dit ici, viens à sa rencontre. Mais les amis, se tenant à distance. Amen. Se tenant à distance. Moi, chaque mois ici m'a béni. Amen. Ils sont allés à la rencontre de Jésus, mais on a précisé, se tenant à distance. Il y avait déjà un respect. Il y avait déjà une adoration qui avait commencé. Ils le prenaient déjà comme un Seigneur. Ils reconnaissaient déjà les actions de Jésus avant même que Jésus ne prononce quelque chose sur eux. Alléluia. Amen. C'était dans un esprit d'adoration, de respect, de révérence qu'ils se sont tenus à distance parce qu'ils se sont dit, ils sont impurs. Ils ne veulent pas que Jésus soit contaminé sans savoir que c'était le médecin par excellence. Alléluia. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, famille, ils élevèrent quoi? Ils élevèrent la voix et dirent. Ça me rappelle quelque chose. Alléluia. Bartimée a crié, il n'est pas assez silencieux. Alléluia. Amen. Famille, je veux te dire que lorsque Jésus est de passage, si tu penses qu'il y a une distance entre lui et toi, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de crier à lui. Alléluia. Alléluia. Si tu vas attirer l'attention de quelqu'un qui est en train de passer sur la route depuis que tu es ici, qu'est-ce que tu vas faire?
merci dans mon cœur, c'est la méchanceté, c'est l'ingratitude. C'est ça qu'elle avait dit. Alléluia. Amen. 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 Donc ici, il dit, ils élevaient la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Alléluia. Amen. Ça fait pitié. Alléluia. Amen. Ils ont crié, Jésus, maître, aie pitié de nous. D'abord, Jésus, sauveur. Alléluia. Sauveur, il m'en a dit le seul recours. Nous sommes désespérés. Alléluia. Et ils ont dit maître. Amen. Une autre adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont élevé Jésus. Alléluia. Ils étaient en train déjà de l'adorer. Même en le suppliant. Alléluia. Amen. Il dit maître, aie pitié de nous. Alléluia. Amen. Le prochain verset 14 dit dès. Alléluia. Amen. Dès que. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, dès que. Alléluia. Amen. Famille, il faut savoir approcher Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une manière d'approcher Jésus qui déclenche un dès que. Alléluia. Amen. Je dis, il y a une manière d'approcher Jésus-Christ de Nazareth qui déclenche le dès que de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, dès qu'il les eut vus, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Amen. Famille, c'est important. Donc, quelqu'un peut-être peut dire, aïe. Jésus pouvait dire, sois guéri. Alléluia. Amen. Jésus pouvait dire, sois guéri. Amen. Amen. Et puis, ils seront. Ils vont devenir purs, ils vont passer de l'état impur à l'état pur. Ou bien peut dire, lève, sors de ce corps. Amen. Et puis ils allaient guérir instantanément. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça n'allait pas suffire, je vais vous dire pourquoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, avant, pour que les lépreux soient excommuniés, pour qu'ils soient chassés hors du village, il faut que d'abord que quelqu'un ait fait leur diagnostic. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un confirme qu'ils sont lépreux. Amen. Et dans le temps, ce n'était pas des médecins qui faisaient ça. C'était les sacrificateurs qui les examinaient et qui leur donnaient soit un genre de certificat pour dire que bon, tu es déclaré impur. Tu es déclaré lépreux. Amen. Amen. Donc si Jésus doit les guérir, il pouvait les guérir comme ça. Mais s'il les guérit, comment est-ce que ceux qui sont dans le village vont être convaincus qu'ils sont guéris? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Donc, il fallait que ce miracle-là soit expérimenté par ceux qui ont déclaré que ces gens-là étaient lépreux. Alléluia. Amen. Donc, ceux dans le temps, ceux des sacrificateurs étaient assignés à vérifier et à certifier leur guérison. Alléluia. Amen. D'où à recertifier leur réhabilitation. Alléluia. Amen. Donc, pour que ces gens-là soient réhabilités dans la société, si ça a été fait publiquement, il va falloir qu'ils soient réhabilités publiquement. Amen. Amen. Si c'était excommunié avant, alléluia. Amen. Dans la société, dans la communauté, dans leur ville, dans leur village, dans leur quartier, dans leur famille, alléluia. Amen. Donc, la guérison des lépreux devait être confirmée, c'est-à-dire déclarée effective et totale par les mêmes sacrificateurs. Alléluia. Amen. Par les mêmes sacrificateurs. Avant que ces lépreux-là soient réintégrés dans toutes les couches sociales. Amen. 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 Donc, moi, j'ai envie de dire que gros français, on a cité la réhabilitation, recertification, choses confirmées, réintégrer, tout ça. Ça veut simplement dire que, hein, il doit passer d'un état où on les traitait comme des animaux, à les ramener à être traités comme des gens qui sont humains, comme ceux qui les avaient excommuniés. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que c'était des êtres humains. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu dit ici, au fur et à mesure qu'ils allaient voir les sacrificateurs, ici dit, ici, dès qu'ils eurent vu, il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils étaient en route, ma Bible dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Amen. La Bible dit, il arriva qu'ils furent guéris. Alléluia. Vous savez ce qui a déclenché la guérison?
C'est leur obéissance à Jésus. Amen. Alléluia. Il y a un qui pourrait raisonner pour dire, mais Seigneur, on est en train de te dire d'avoir pitié de nous, de nous guérir. Tu nous ramènes au village où on nous dit de ne plus repartir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont raisonné? Ils n'ont pas raisonné. Alléluia. Amen. Leur obéissance a croisé la guérison en chemin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La source de la guérison a parlé. Mais leur obéissance a croisé la guérison en chemin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'ils allaient voir les sacrificateurs, voilà, c'est là même que eux-mêmes ils ont remarqué que leur peau a commencé à changer. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en chemin, au fur et à mesure qu'ils marchaient, ils se rendaient compte que leur corps a commencé à être purifié. Leur peau a commencé à changer, à redevenir normale. Amen. Amen. Et ils ont constaté qu'ils étaient guéris. Amen. Dis amen. Amen. L'obéissance déclenche quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, dès qu'il est, ici dit, l'un d'eux, voilà, verset 15, l'un d'eux se voyant guéri. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a été surpris, il a commencé à se regarder. Se voyant guéri. Alléluia. Quand il a constaté qu'il était guéri, il a eu une réaction. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible dit ici, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas. Alléluia. Amen. Revint sur ses pas, glorifiant Dieu à quoi? À haute voix. Alléluia. Alléluia. Amen. Glorifiant Dieu pas en silence. C'est-à-dire, Jésus pouvait l'entendre à distance. Il a repoussé ce chemin. Famille, 10 personnes sont en train de marcher. Amen. Et tous ont constaté que leur poids a changé. Au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le village, ils ont été guéris. Amen. Mais un seul a fait demi-tour. Il est reparti vers la source de sa guérison. Alléluia. Il est reparti vers Atalakoun de celui qui a prononcé la guérison, celui qui a déclenché sa guérison dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vint sur ses pas, glorifiant Dieu. On n'a pas dit juste glorifiant Dieu. Alléluia. Amen. Glorifiant Dieu à haute voix. Amen. 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 Vous savez pourquoi il a glorifié Dieu à haute voix? Ça dépend de comment il a demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Famille, je veux dire ici que les neuf ont continué leur chemin. Mais celui-là même qui est reparti vers Jésus d'abord, avant de continuer là, hein? Son but, c'était de dire merci. Amen. Alléluia. Amen. C'était de dire simplement merci. Amen. 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 Il a été reconnaissant. Il s'est dit, il ne peut pas continuer tant qu'il n'est pas revenu pour dire merci à celui-là même qui a été la source de sa guérison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose que je voulais souligner ici qui m'a vraiment touché. C'est-à-dire que je me suis dit, mais glorifiant Dieu à haute voix. Il a demandé à haute voix. Alléluia. Amen. Pourquoi quand tu cries, tu demandes des choses au Seigneur, quand il finit de te bénir, pourquoi de la même manière tu as élevé la voix? De la même manière tu as pleuré? De la même manière tu as crié? Pourquoi est-ce que tu dois te cacher dans le secret pour dire merci à Dieu pour ne pas que quelqu'un d'autre ait ton témoignage? Alléluia. Alléluia. Seigneur, soutiens-nous, apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à te rendre des actions de grâce, apprends-nous à être reconnaissant, apprends-nous à exprimer notre gratitude du fond du cœur, au nom de Jésus. Alléluia. Verset 16 dit, il tomba sur sa face au pied de Jésus. Et lui rendit grâce. Alléluia. Il dit, il tomba sur sa face au pied de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il était sa
Jésus, dans une adoration, tu es au pied de Jésus, dans un esprit de reconnaissance et d'action de grâce, dans un esprit d'adoration, quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. Amen. Lorsque tu reviens pour être reconnaissant à Dieu, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Amen. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Lorsque tu viens de reconnaissance pour une guérison et que tu viens de jeter à tes pieds dans l'adoration, tu élèves ta voix à haute voix dans une congrégation, tu bénis Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que les gens vont dire, pendant que les gens sont en train de dire, est-ce qu'on a besoin de rouler par terre? Est-ce qu'on a besoin de pleurer? Est-ce qu'on a besoin de crier? Pendant ce temps-là, hein, pendant qu'il t'a guéri, il est en train de préparer ton mari, il est en train de préparer ton conjoint, les portes du mariage sont en train de s'ouvrir pour que tu fasses le rappel des années qu'elle a sauté de ta volée. Parce qu'après la maladie, il faut que tu sois restauré totalement dans chaque aspect de ta vie. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au pied de Jésus et lui rendit grâce. Verset 16 finit en disant, c'était un Samaritain. Alléluia. Amen. C'était un Samaritain. Alléluia. Amen. Qui s'est mis au pied samaritain. Qui s'est mis au pied de Jésus pour l'adorer, pour le glorifier. Alléluia. Amen. C'est une manière de dire que, famille, tu n'as pas besoin qu'on te demande de glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de permission pour glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En rentrant déjà dans la maison du Seigneur, ton esprit doit déjà commencer à le glorifier. Qu'il y ait un chanteur, qu'il y ait la musique, qu'il y ait la batterie, qu'il y ait le piano. Tu dois apprendre à glorifier Dieu sans un seul son de musique. Parce que ta voix doit être qui doit retentir aux oreilles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton famille ici. Donc ici dit, comment? Ils ont dit merci à Dieu à haute voix. C'est-à-dire, il a dit merci à Dieu à haute voix. Parce que c'est à haute voix qu'il s'est crié vers Jésus. Pour dire, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. C'était un Samaritain, c'est là que je vais. Famille, on va parler un peu du Hébreu qui est revenu. Alléluia. Donc, on va voir les caractéristiques de ce lépreux qui est revenu vers Jésus. C'est le lépreux guéri qui est revenu pour dire merci à Jésus. D'abord, c'était un étranger. Alléluia. D'abord, c'était un étranger. Amen. 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 C'était un étranger. Ça veut dire c'était un Samaritain. Amen. Parce que dans le temps, dans la coutume juive, les Samaritains ne devaient même pas s'approcher des Juifs. Les Juifs et les Samaritains ne devaient pas coopérer. Alléluia. Il ne doit pas se marier entre eux. Il ne doit même pas s'asseoir ensemble. Il ne devait pas faire cela. Amen. Donc ici, pour qu'un Samaritain revienne et qu'il dise merci à Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce qu'il y a des raisons. Alléluia. Amen. Amen. Il sait qu'il est un étranger. Il sait que Jésus est juif. Alléluia. Il sait que Jésus est juif. Donc en temps normal là, hein, il s'est dit qu'il ne méritait même pas cette grâce. Alléluia. Il ne méritait même pas cette grâce-là. Il ne méritait même pas d'être guéri. À cause de son statut par rapport au statut de Jésus. Alléluia. Donc je bénis le nom du Seigneur ici. C'est un étranger, c'est un Samaritain. Et c'est lui qui est venu rendre grâce, qui est venu dire merci, qui est venu exprimer sa gratitude à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est convaincu que Jésus a eu vraiment pitié de lui. Amen. Amen. Jésus a eu pitié de lui parce qu'en temps normal, là, lui, il ne devait même pas être proche de Jésus. Il ne devait même pas être dans l'entourage de Jésus. Jésus pouvait se dire qu'il est juif, il pouvait guérir les 9 autres et puis lui, il allait rester. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'il ne connaissait pas bien Jésus. C'est le même Jésus là, hein, que les disciples ont retrouvé au puits avec la Samaritaine. Et ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que quand tu es en train de parler avec une dame samaritaine. Et Jésus les a réprimandés. C'est cette samaritaine-là qui est devenue quoi? Elle était devenue la première évangéliste de la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à cause de ce que Jésus n'a pas regardé sa situation, amen, et qu'il a été un prophète devant elle, elle est allée dire aux gens que je connais quelqu'un que je viens de rencontrer.
Alléluia. Amen. Depuis lors, elle n'a jamais quitté l'entourage de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc Jésus n'est pas dans la religion. Jésus n'est pas dans son dans d'où tu viens. Alléluia. Amen. C'est pas important pour lui. Parce que c'est l'être humain. C'est le cœur brisé qui est important pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc première caractéristique, c'était un étranger et c'était un samaritain. Amen. Donc il savait qu'il ne méritait même pas voilà, cette guérison-là. Et il a su que c'était par pure grâce. Amen. Amen. Par pure grâce. Et il est revenu pour dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Famille, je veux simplement dire que soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Amen. Soyons reconnaissants à Dieu. Parce que nous étions pécheurs. Il y a des choses que nous ne méritions pas, que Jésus nous a données. Alléluia. Amen. On était dans les ténèbres. On était poussière. Je vais te faire un rappel pour que tu saches comment rendre grâce à Dieu. Alléluia. On se promène, on se retrouve dans des endroits où en principe on ne devait même pas être. Il y a des accidents qui devaient nous emporter. Il y a des maladies qui devaient nous emporter, famille. Alléluia. Tu partais chercher le mari des gens. Tu partais chercher un échoppon après sa femme des gens. La mort t'a raté. Les maladies t'ont raté. Mais ce sont des raisons valables aujourd'hui pour regarder en arrière et dire. Vraiment, Dieu nous a fait grâce. Amen, amen. Pour dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y a des prières auxquelles il n'a pas encore répondu, il y a tellement de raisons pour dire merci à Jésus. Il nous a libérés, il nous a rachetés. Nous étions pécheurs dans les ténèbres. Il nous a rachetés dans la lumière. Amen. Amen. C'est une grâce. Amen. Alléluia. Amen. Jésus prenant la parole, verset 17 dit, Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il était en train, celui qui est revenu le Samaritain est en train de glorifier Dieu à haute voix. Jésus n'a pas regardé à sa louange. Jésus n'a pas regardé à son adoration. Pas parce qu'il n'était pas touché par ça. Mais Jésus a été choqué pour le fait que ce soit une seule personne qui soit revenue parmi les 10. Satan a choqué Christ. Il ne s'est pas empêché de poser la question de savoir. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Comme le Samaritain témoin, il voulait être sûr. Parce que vous savez, il y a des guérisons qui se font de différentes manières, de différentes étapes. Tu peux prier pour quelqu'un qui ne suit plus ça peut-être. Dans un jour, deux jours, une personne peut être guérie maintenant. Mais une autre personne, il y a un aveugle que Jésus a guéri. Jésus est en train de prier plusieurs fois. Il a demandé comment tu vois. Il dit, bon, je commence à voir un peu. Il a prié encore. Il dit, maintenant, comment tu vois? Donc, les guérisons d'une personne à une autre sont différentes. Donc, ça a activé la curiosité de Jésus. Amen. Mais je suis convaincu que Jésus savait qu'il s'était guéri. Amen. Alléluia. Amen. Il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. Jésus le savait. C'est pourquoi il est passé par cet endroit. Il est Jésus après tout. Alléluia. Il sait pourquoi il est passé par là. Amen. 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 C'est parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui avaient été excommuniés et qui avaient besoin de lui, Jésus. Qui avaient besoin de l'entendre parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de venir dans des réunions dans lesquelles il opérait les miracles. Alléluia. Donc mon frère, je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire, toi qui penses que Jésus ne connaît pas ta situation, il sait de quoi tu souffres. Amen. Il sait dans quelle situation tu te trouves. Amen. Il sait dans quel état tu te trouves. Amen. Il connaît l'état de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc ça m'a touché, Jésus dit, les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Où sont-ils? Le savait saigner le cœur de Jésus. Alléluia. Amen. Où ils sont? Pour que tu sois seul à revenir sur 10. Amen. Amen. On va donner leurs caractéristiques, les 9 autres là. On va les décrire un peu. Alléluia. Amen. Les 9 autres qui n'ont pas pu repousser chemin étaient galiléens. Alléluia. Amen. C'étaient des galiléens. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont du même village, de la même ville, du même quartier, de la même
était née avec Marie et Joseph. Amen. Amen. Donc vous voyez, ça veut dire qu'ils n'ont pas été reconnaissants parce qu'ils pensent que c'est un Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais fait du bien à quelqu'un, puis vous êtes étonné, la personne ne dit rien, puis la personne dit, ah, mais lui, là, on a grandi dans le quartier. Sa maman partait prendre du sel chez ma maman. Alléluia. Alléluia. Et qui ça? Le fils du charpentier là, Jésus là. Pour eux c'est un droit. Pour eux c'est un dû. Alléluia. Son papa venait chercher les morceaux de bois avec mon papa pour fabriquer la chaise. Alléluia. Donc ici, alors que le samaritain étant juste un juif, les autres pensaient que c'était un droit pour eux, qu'ils méritent ça. Comme si Jésus était obligé. Famille, on n'est jamais bon prophète chez soi. Quel que soit le bienfait que tu vas faire dans ta famille, c'est quelqu'un qui est dehors qui va apprécier ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. C'est comment ça est. Alléluia. C'est pas la peine de t'appeler. C'est pas la peine d'avoir mon tête dessus. Alléluia. Parce que Jésus, même que Jésus là, la même chose s'est passée avec lui. Amen. Tu n'as qu'à bénir les gens de ton village, de ton quartier, de ta ville, de ta famille. Comment? En comment? Il ne faut pas t'attendre à quelque chose. Yes. Alléluia. Amen. Ils vont dire que leur maman a cousu ta kip pour te donner avant. Hey. Alléluia. Amen. C'est mon papa qui a acheté son pic. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. J'ai ouvert une parenthèse, j'ai expérimenté ça avec une de mes cousines. J'ai beaucoup de cousines. Hein. J'ai expérimenté ça avec une de mes cousines, je ne sais pas. Mais elle me dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne dis pas merci? Elle t'a obligé de faire tout ce qu'elle fait là. Elle dit, mais c'est mon père qui l'envoie aux États-Unis. Oh. Oui, c'est ce qu'elle a répondu. Elle dit, mais c'est mon père qui l'envoie aux États-Unis. Et quand j'ai entendu ça, c'était un truc de famille, mais ce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle était petite. C'est qu'avant que son père ne vienne aux États-Unis, il n'avait pas de maison au pays. Et mon père était obligé d'enlever des gens dans cette maison pour le mettre là. Parce que la famille se moquait de lui. Il a quitté pour qu'il soit là où il était pour pouvoir venir aux États-Unis. Et c'est un signe de reconnaissance qui m'a aidé à venir aux États-Unis. Mais ça, il ne savait pas. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire qu'on ne va pas rentrer dans ça. Alléluia. Tu as fait du bien à quelqu'un, ne t'attends à rien. C'est Jésus-Christ qui va te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Je referme la parenthèse. Je bénis le nom du Seigneur. Ma cousine est très convertie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mon cœur a été touché quand je suis allée à la conférence la dernière fois. Elle était dans le public et s'est levée pour venir traduire. Amen. C'est comme ça que Jésus fait. Et ça fait partie du passé. L'un d'eux le voyant, mais ici, il tomba sur sa face et Jésus, ainsi de suite. Et si les neuf autres, où sont-ils? Donc, famille. En Côte d'Ivoire, on dit que c'est familiarité qui envoie foutaise. Alléluia. Donc, quand vous bénissez là, ne devenez pas familier. Tu continues ton chemin parce que toi, tu sais que c'est à Dieu que tu l'as fait. Alléluia. Donc, le juste dit, oh, ça là, c'est le fils de Joseph, là, celui du quartier là. Nos parents étaient amis. Voilà, Marie venait demander du sel à ma maman. Joseph prenait bois avec mon papa. Alléluia. Amen. Voilà, on jouait ici là. On se connaissait. Hey. Amen. Amen. Donc comme quoi, voilà, il se justifie dans une ingratitude cachée. Amen. Amen. Tu ne peux pas regarder ça pour ne pas que ton cœur ne soit pas comme avant. C'est-à-dire qu'ils veulent fermer le tuyau de ta bénédiction. Alléluia. Amen. Quand tu fais quelque chose, tu ne récupères pas derrière. Tu dis merci à Dieu. Amen. Surtout si on ne vient pas te dire merci, ce n'est pas important. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à être reconnaissant. Donc ceux qui sont ingrats se justifient toujours. Amen. Amen. Voilà. Et puis ce qui est malheureux, c'est qu'ils pensent que c'est par leurs efforts. Ils pensent que c'est par leur talent, par leur diplôme, par leur connexion, par leur travail, par leur argent. Et ils pensent que c'est ça qui leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui. Faisons attention, hein. C'est par pure grâce, parce que Amen. Tout est vanité. Amen. 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 Je dis c'est par pure grâce, tout est vanité. Amen. Alléluia. Amen. Je conclue. Apprenons à dire merci à Dieu à haute voix.
les histoires de Ronan. Quand on dit élevons la voix, remercions le Seigneur, il y en a qui ne parlent pas. Oui, tu remercies Dieu dans ton cœur. Ok, il n'y a pas de problème. On va te répondre dans son cœur. Il faut que nous évitons l'ingratitude. Parce que l'ingratitude dérange Jésus. L'ingratitude, là, ça choque Jésus. Et là, il est choqué. Hein? Les 9 autres, où sont-ils? Et il a dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Famille, quand tu reviens, sur combien de personnes, quand tu apprends à revenir vers Jésus, Guasouka, il devait remercier les autres là. Hein? Guasouka, il avait gardé. Pour celui qui doit revenir pour lui merci là, il déverse tout sur toi. Amen. C'est ça qui est le secret. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma conclusion est que la louange, l'adoration, c'est-à-dire l'adoration, c'est-à-dire ce pourquoi Dieu nous a créés. Le Seigneur, il nous a créés pour une seule raison. Amen. Quand j'entends les gens dire, mes enfants sont ma raison de vivre. Mon conjoint est ma raison de vivre. Mon ceci, mon cela, c'est ma raison de vivre. Famille, faisons attention. Là. Moi, ma raison de vivre, c'est de servir l'Éternel. C'est de l'adorer. C'est de l'élever. C'est de prêcher l'Évangile afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. C'est ça qui est ma raison de vivre. Alléluia. Parce qu'un jour, l'enfant va te laisser. Un jour, Marie peut te laisser. Alléluia. Ou bien papa ou maman peut te laisser. Donc il faut que ta raison de vivre soit recadrée sur l'adoration à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sur le service pour Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te mettre debout pendant que je conclue. Famille, je voulais simplement dire ici, lorsque tu regardes la manière dont ce test-là s'est déroulé, il y a une chronologie bien précise. Alléluia. Si vous avez remarqué ici, la gratitude a produit l'adoration. Alléluia. C'est-à-dire que l'adoration qui est exprimée son amour pour Dieu. Amen. Amen. À haute voix. Le miracle a produit la reconnaissance, c'est-à-dire les actions de grâce. Amen. 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 Et puis l'obéissance a produit le miracle. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire simplement, vivons une vie d'action de grâce et d'adoration. Apprenons à avoir un style de vie d'action de grâce et d'adoration. C'est vrai, c'est dans ce mois-là qu'on a décrété cela. Mais ça doit être un style de vie de tous les jours. Ton adoration, ta reconnaissance, tes actions de grâce doivent être tous les jours. Amen. Tous les jours. Si tu dis tu aimes Dieu, ça doit être tous les jours. Amen. Pas forcément avec Dieu lui-même, aussi dans ton entourage. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui va prêcher l'Évangile. Amen. Tes actions de grâce, tu peux ne pas ouvrir ta bouche, mais tes actions de grâce peuvent envoyer quelqu'un à vouloir connaître ton Dieu, à vouloir connaître ton Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la raison pour laquelle ça doit être un style de vie, c'est que l'obéissance, la chronologie ici, c'est que l'obéissance a produit ou bien a déclenché le miracle. Le miracle a déclenché la gratitude. Alléluia. Amen. Et puis la gratitude a déclenché l'adoration qui est la raison pour laquelle Jésus nous a créés. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Moi, je n'ai plus rien à dire. Quand j'ai dit nous allons prier, chacun fait ce qu'il veut, si tu as bien compris le message. Alléluia. Amen. Amen. Éternel Dieu puissant, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Je vais te dire merci. Seigneur, lorsque je regarde en arrière, je veux te rendre grâce ce matin. Je vais lever la voix, Seigneur, à gauche déployée, pour te dire merci, Papa. Je te suis reconnaissant, Éternel Dieu, mon roi. 2 ans auparavant, Seigneur, dans cette même saison, Éternel Dieu, mon roi, je traversais, je passais par le feu, Seigneur. Oh, Jésus, je vais te dire merci. Merci parce que lorsque je regarde en arrière, Seigneur, c'est toi qui m'as soutenu de ta droite forte, Éternel Dieu mon roi. C'est toi qui as permis que ce ministère avance, Seigneur. C'est toi qui as envoyé ces âmes, Père Dieu Tout-Puissant, pour me soutenir, ces enfants spirituels, ces enfants biologiques, l'Éternel, pour me soutenir, Éternel Dieu mon roi. Je lève la voix ce matin pour te dire merci. Merci pour le sang de délivrance chrétien. Merci pour la force et le courage que tu nous donnes. Merci, Éternel.
tu n'as pas changé les ténèbres. Merci pour les milliers de personnes que tu as guéries à travers ce ministère, que tu as délivrées à travers ce ministère, Seigneur. Qu'ils disent merci ou pas, les ténèbres, Dieu mon roi. Je lève la voix ce matin. Je lève la voix ce soir pour te dire Hosanna. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, éternel Dieu mon roi. Merci pour ta compassion. Merci pour ta protection divine. Seigneur, je vais te rendre grâce. Oh Seigneur, à genoux devant toi. Ce soir, l'éternel, les mots sont insignifiants pour t'exprimer ma gratitude du fond du cœur. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à te louer. Apprends-moi à t'exalter. Pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur, l'éternel. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu qui a eu pitié de moi, l'éternel, qui m'a arraché les ténèbres, l'éternel Dieu, mon roi. Je bénis ton saint nom. Tu es le mari des veuves, l'éternel Dieu, mon roi. Le père des orphelins, l'éternel. C'est pour ça que je suis debout aujourd'hui, papa. Je lève la voix ce matin pour te dire merci. Merci parce que toi, tu as été maltraité à la croix pour que moi, je sois relevé, l'éternel. Tu as été immolé pour que je sois libéré. Au nom puissant de Jésus. Merci, je te dis merci pour toutes les personnes que tu as mises sur mon chemin. Depuis que je t'ai connu, l'éternel, à travers les tribulations, à travers les joies, à travers les douleurs, à travers la maladie, chaque être humain, chaque ange que tu as mis au devant de moi, à travers la présence de quelqu'un. Oh papa, je te suis reconnaissante. Quand tu les bénis, c'était le Dieu, mon roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon âme te salmodie ce matin, Seigneur. Oh Yahweh, lorsque les souvenirs me reviennent, je ne peux que contempler ta gloire. Je ne peux que te contempler. Je ne peux que contempler ton amour. Parce que tu es digne. Tu es digne. Celui-là même qui a pitié. Pitié de ceux qui ont le cœur brisé. Oui, ta parole dit que tu es prêt de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, merci. Parce que dans le feu, tu n'as pas permis que le feu me brûle. Oui, les hommes ont submergé, mais tu n'as pas permis que je me noie. De ta main d'amour, tu l'as tendu, Seigneur. Tu m'as saisi, l'éternel, et tu m'as arraché le flot qui m'envahissait. Je n'ai rien d'autre à faire que de t'adorer, que de te remercier. Je lève la voix ce soir, papa, pour t'exprimer ma gratitude, pour te dire Hosanna, pour te dire Alléluia. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je dis à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Le Dieu qui console, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui délivre. Oh Yahweh, oh Yabakasha, Zere Bokore Bakasha, Yabakondoro, Zere Bokoshira, Rondini Bushkunta Yabasaka. Quand je regarde en arrière, Seigneur, mon cœur n'a pas assez de mots pour te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Jésus. Moro chata ta 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 ta. Quel amour, Seigneur. Quel amour, Yahweh. Quel amour, Jésus. Oh, Yahweh. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, papa. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, papa. Merci, papa. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouille d'amour pour toi, Jésus. Tu es mon Yahweh.
Merci pour ton amour dans notre vie, Seigneur.
Merci, oh Dieu, pour ta bienveillance dans notre vie. Merci pour tes grâces et protections. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci parce que tu es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais chaque jour dans notre vie. Que ton nom soit jamais élevé, Seigneur. Que ton nom soit jamais béni, Seigneur. Que ton nom soit jamais exalté pour tous les siècles sans fin, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, veuillons nous asseoir. Nous allons continuer avec la dernière partie de notre programme en apportant nos dîmes et nos offrandes à Dieu. Et souvenons-nous toujours que le Seigneur aime celui qui donne avec un cœur joyeux. Tel que le Samaritain qui est venu rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu aussi d'un cœur sincère avec nos dîmes et nos offrandes. Pendant ce temps, ma couronne va chanter et je vais prier le pasteur pour lui mettre le panier devant et nous allons venir pour mettre nos offrandes. Il y a les enveloppes sur les chaises pour ceux qui n'ont pas d'enveloppe, on va vous en procurer. Tu es bon, 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 tu es bon
Nous te prions de le bénir et de le sanctifier. Et que par la sorte, Seigneur, tu menaces le dévoreur, Seigneur, sur nos finances. Afin que, Seigneur, nous ayons de quoi toujours apporter dans ta maison. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas pu donner ce matin. Afin que tu les bénisses aussi. Pour qu'ils aient de quoi apporter, Seigneur, pour la gloire de ton nom la prochaine fois. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. De notre Alléluia. De ce matin. Ce que nous avons comme annonce, c'est tout simplement nous rappeler de nous connecter pour la prière du matin, de 4 heures du matin. Nous sommes vraiment conviés à nous connecter le matin à partir de 4 heures, du moins de suivre toutes nos activités que nous faisons. Les mercredis avec l'étude biblique, et puis chaque matin à 4 heures, nous puissions nous connecter pour la prière. S'il y a encore d'autres annonces, c'est maman qui va faire cela compléter. Amen. Et par la suite, nous prions aussi pour nous recommander entre nous du Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autres annonces parce que le pasteur a tout donné. On va se mettre debout et nous allons prier. Alléluia. Amen. On a toujours besoin de bonne volonté. On a toujours besoin de bonne volonté par rapport au nouveau temps. Celui à qui le Seigneur met à cœur de faire quelque chose, on continue de décorer, on continue de travailler pour la maison du Seigneur. Il n'y a jamais de petits dons, il n'y a jamais de petites actions dans ce que le Seigneur met à cœur. Amen. Amen. Que chacun continue d'être au service du Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment. Prions.
Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Père. Nous sommes venus dans ta maison. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. Papa, nous t'avons écouté ta parole qui nous a fait du bien. Tu nous as, Père Dieu Tout-Puissant, appris par la puissance du Saint-Esprit comment t'adorer, comment te rendre des actions de grâce. Il y a tellement de manières, Seigneur. Mais tu as voulu, Père Dieu Tout-Puissant, nous montrer que ton cœur est choqué lorsque tu es face à l'ingratitude. Et nous ne voulons pas être comme ces 9 lépreux qui n'ont pas pu revenir, Seigneur, pour te dire merci par rapport à leur guérison. Papa, apprends-nous à t'obéir, éternel Dieu mon roi, à mettre tes commandements en pratique, mais mieux, Seigneur, à te rendre des actions de grâce. Père, à t'exprimer notre reconnaissance du fond du cœur et pas du bout de l'œil. Maintenant que nous allons rentrer, bénis chacun de tes enfants, les secondes, les minutes, les heures et les jours, Père Dieu Tout-Puissant, de cette semaine sont sous ta grâce, Papa, que tu gardes chacun de nous dans le creux de tes mains. Bénis chacun de nous, qu'aucune mauvaise nouvelle, aucun malheur n'atteigne nos maisons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partons dans ta paix et nous revenons dans ta paix, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis.